vous êtes capable de prendre de la drogue dans la journée et d'ensuite effectuer votre job correctement? C'est la seule façon de bien faire ce job. Cocaïne et putain, mon vieux. Ok. Eh bien, je vous avoue franchement que ça m'enchante de travailler pour votre firme, c'est prodigieux. Et les clients que vous avez sont absolument... On se fout des clients. Ton unique responsabilité, c'est de mettre du pain sur la table. T'as une copine? Non, je suis marié, j'ai une... une femme, elle s'appelle Teresa, elle est coiffeuse. Félicitations. Merci. Pense à Teresa. Le concept est simple, déplacer le pognon du portefeuille du pigeon jusqu'à ta poche. D'accord. Mais si je peux faire gagner du fric aux clients simultanément, on bénéficie tous du système, pas vrai? Non. Règle de survie numéro 1 à Wall Street. Il y a personne, pas même Warren Buffett ou encore Jimmy Buffett, qui peut dire à l'avance si un titre va être en hausse, en baisse, faire des zigzags ou faire des loopings, et nous les courtiers moins que les autres. Tout ça c'est fugace, tu connais la fugacité. Fugace, c'est un genre de pain, je crois. Ah bon, fugace, c'est que du baratin, du bluff, de la... poudre aux yeux, une illusion, ça reste en suspens dans l'air, c'est une chose immatérielle, un truc à la composition inconnue. Bref, c'est virtuel, mon vieux. Ok, tu vois. Reste avec moi. On ne crée rien de réel. On ne construit rien. Non. Et toi, tu continues encore et encore et encore. Et pendant ce temps, le pigeon croit se faire les couilles en platine, ce qui est vrai, sur papier. Mais toi et moi, les courtiers, apportons à la banque du vrai cash, la commission, espèce d'enfoiré.